de rose, et je marchais dans la grande chaleur, et puis ensuite dans la grande froideur, de vieux chemins où les feuilles s'endorment. Je longeais un mur long aisé, c'était un parc où étaient de grands arbres, et je sentis une odeur du passé dans les grands arbres et dans les roses blanches. Personne ne devait l'habitait plus dans ce grand parc, sans doute on l'avait lu, et maintenant, comme s'il l'avait plu, les ébéliers luisaient au soleil cru. À des enfants des autres fois, sans doute, s'amusèrent dans ce parc si ombreux. On avait fait venir des plantes rouges des pays loin aux fruits très dangereux. Et les parents, en leur montrant les plantes, leur expliquaient: celle-ci n'est pas bonne, c'est du poison, elle arrive de l'Inde, et celle-là est de la belle la donne. Et il disait encore: cette arbre-ci vient du Japon, où fut votre vieil oncle, porta tout petit, avec des feuilles grandes comme l'ongle. Et il disait encore: nous nous souvenons du jour où l'oncle revint d'un voyage aux Indes. Il arriva à cheval par le fond du village, avec un manteau et des armes. C'était un soir d'été, des jeunes filles couraient au parc où étaient de grands arbres, des noyers noirs avec des roses blanches et des rires sous les noirs charmilles. Et les enfants couraient criant: c'est l'oncle. Il descendait avec son grand chapeau, le grand cheval avec son grand manteau. Sa mère pleurait: oh mon fils, Dieu est bon. Lui répondait: nous avons eu tempête, donc tout ça bien failli manquer à bord. Et la vieille mère le baisait sur la tête en lui disant: mon fils, tu n'es pas mort. Mais à présent, où est cette famille? A-t-elle existé? A-t-elle existé? Il n'y a plus que des feuilles qui luisent aux arbres drôles comme au poids. Sonner.
et tout s'endort dans la grande chaleur, les noyés noirs, plein de grande froideur. Personne là n'habite plus, les ébéniers luisent au soleil cru. Le vieux village était rempli de roses, il marchait dans la grande chaleur, et puis ensuite dans la grande froideur, de vieux chemins, les feuilles